amigos, comment est-ce aqui? Aïe aïe aïe, muchacho, que calor! Salut les potos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing des familles du nouveau siège DX Racer que j'ai reçu, que j'ai acheté pendant le Black Friday. Je l'ai eu à 249 euros à la place de 349 euros. C'est incroyable! C'est incredible! Mais il est où le. Vous allez me dire, il est où le siège? Il est où? Il est où? Mais il faut que j'aille le chercher! J'arrive! J'arrive, je reviens. Ok, amigos, vous n'arrivez pas à me voir, mais c'est pas grave. Donc là, voici la boîte, elle est super grosse. On va l'ouvrir, on va ouvrir tout ça. J'ai hâte de poser mes fesses dessus. Ça va être muy caliente. On prend le petit couteau. Et on ouvre, c'est parti. Oh là, il y a beaucoup de scotch, hein. Ils ont pas rigolé, hein. Moi je te le dis. Voilà. Hop là. Voilà. Nickel chrome. Bon, est-ce que vous êtes prêts, amigos? Est-ce que vous êtes prêts pour le déballage de la morte? Oh oh, il y a du plastique de partout. Voilà. Ouh là là, on voit déjà la calor. Oh, vous voyez pas très bien. Oh là là, attendez, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Et là, c'est que le derrière. Vous vous rendez compte? La qualité. Il y a l'impression que la qualité. Ouh, ouh, j'aime ça. C'est moi caliente. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est bloqué. C'est les accoudoirs, à mon avis. À mon avis, c'est les accoudoirs. Bon, les gars, on va sortir tout ça. Et de toute façon, vous allez voir. J'ai hâte de poser mes fesses comme il l'a dit dessus. C'est vraiment un joli siège. J'ai pris l'édition Racing, je crois, c'est ça, Racing, voilà, DX Racer. Donc voilà, on va mettre tout ça en place de toute façon, ensemble. Et on va voir le résultat final. J'ai hâte. Bon, on va sortir ça. Comment qu'on va faire ça? Allez, arrive, arrive, vamos. On dégage. Oula. Oh. Eh, c'est lourd, hein. Oh, attendez, on va le déballer. Il faudrait mon couteau là. Il est où mon couteau? Merde. Oh. Allez, casse-toi. Putain de tout madre. Oh, regardez-moi ça, amigos. Regardez-moi ça. Oh oh. C'est beau, hein? Ça donne envie, hein? Oh là là! J'ai fait une bonne affaire, là, quand même, hein? Moi caliente! Oh oh oh! Bon! Ça, on va le foutre ici. En attendant. Perfecto! Bon! On a quoi d'autre? Ici! Ici, nous avons les. Les coussins, à mon avis. Où c'est où? Hop. Voilà. Ça, c'est le coussin pour le dos. Voilà. Pour le dos, en dessous, au niveau des reins. On va mettre tout ça là-bas. Voilà. Et lui, c'est le coussin pour le dessus. La qualité est vraiment, vraiment beau. C'est du cuir que j'ai pris. Donc comme ça, tu vois, c'est... Au toucher, c'est muy caliente. Oh, tu sens le toucher là, tu le sens. ça, c'est de la merde. Et là, nous avons
nous avons le support ici, voilà, le support pour le siège avec les roulettes, etc., etc. Ça, on va l'ouvrir plus tard, de toute façon, on s'en fout. Hop, c'est un peu mouillé là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre. Et ici, nous avons l'endroit où je vais poser mon cul. Attends, on va d'abord ouvrir les petites boîtes ici. Qu'est-ce que c'est, ce merde? C'est quoi ces petites boîtes là? Attendez, nous allons voir ce que c'est là-dedans. C'est tout cassé là. Ils ont fait de la merde, j'aime pas ça. Allez, ouvre-toi là. Ah, ça c'est le support en dessous. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est le support. C'est rien de bien intéressant, donc on s'en fout. On passe à autre chose. Ça c'est pas intéressant. Hop, ça à mon avis c'est les roulettes, je pense. Ça doit être les roulettes. On va voir ça. Voilà. Mais il y a du scotch partout, bordel de merde! Voilà. Ah. Ça, c'est, c'est le mode d'emploi, à mon avis, ça. Ça doit être pour apprendre. Ils ont mis les petits outils et tout. Et ça va m'être utile. C'est quoi ça? Ça, c'est des bandes rouges. Je sais pas à quoi ça sert. Encore, on verra. Et là. On a les petites roues pour rouler, tu vois, tu peux aller sur l'autoroute avec, c'est pratique. Allez, il perd mon chapeau. Ici, nous avons les petites manettes pour régler le siège, à mon avis. Voilà. Là, ça, je ne sais pas à quoi ça sert, honnêtement. Ici, ça, à mon avis, ça, c'est pour le truc du siège en dessous, pour faire un peu plus esthétique, quoi. Et ici, nous avons un godemichet, mesdames et messieurs. Non, ici, c'est la suspension. C'est la suspension. Attendez, je vais vous montrer, je pose ça. Voilà. Ça, c'est la suspension. C'est ce qui tient toutes tes grosses fesses, tu vois. Tu vois, si tu as des grosses fesses, eh ben, c'est ça qui te permet de tenir tes grosses fesses. Voilà. Ok, parfait. Ça, c'est fait. Hop. Et il nous reste le plus gros. J'arrive pas à vous montrer comment je vais sortir ce truc. On va faire ça comme ça. Voilà, ici c'est le siège, c'est là où tu poses les fesses, tu vois. Ouh, ça a l'air de bien quand même, la qualité. Les finitions, je sais pas si j'arrive à vous montrer, mais les finitions sont vraiment bien. C'est vraiment beau, hein. Putain. Ah, j'ai hâte de mettre mes fesses dessus, comme il le dit. J'ai hâte de le monter aussi. Bon, comme je vous disais, amigos, je vais aller monter le siège. J'espère en tout cas que ça vous a plu, ce petit unboxing en mode muy caliente. On va monter le siège et je vais vous dire, je vais vous le montrer tout simplement quand il sera fini. À tout à l'heure. Et voilà, amigos, le siège est terminé. Regardez-moi ça. Oh, muy caliente. Oh là 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 là, il est vraiment grand. Et regardez le siège que j'avais avant. Cette grosse merde. C'est vraiment de la merda. Regardez. C'est un mac. Espèce d'enfoiré. Et voilà. Voilà le siège, il est terminé. Vraiment, vraiment beau. Voilà. Terminé, finish. Ça pète. Ça pète. Franchement. Ah. Et voilà, amigos, le siège. Ouais, franchement, je suis super bien dedans. Je suis très content de cet achat. En tout cas, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. GTA RP, en ce moment, beaucoup de GTA RP. J'espère que vous appréciez. Allez, ciao.